Bonjour, donc bienvenue à bord de Tiet Kitatu, donc classe 40, de son nouveau nom Fleury Michon Bio. Donc voilà, c'est sur ce beau bateau de 40 pieds, donc 12 mètres 20, que je vais traverser l'Atlantique le 4 novembre pour la route du Rhum. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre et puis voilà les différents éléments qu'il compose et à quoi va ressembler ma vie pendant donc, entre 15 et 20 jours de traversée. Allez, et bien bonne visite. Donc là nous sommes dans le cockpit. Donc ici vous pouvez voir la barre. Alors l'idée c'est que moi je vais très peu barrer, comme je vais être toute seule, je vais avoir énormément de choses à faire. Et l'idée c'est de m'économiser. Donc du coup c'est le pilote qui va barrer la plupart du temps. Peut-être 22 heures sur 24, ça dépend des conditions, mais moi je vais peu barrer. Ensuite, là, vous avez les winches qui servent donc, à régler les voiles. Voilà, la tour centrale avec le piano. Donc, c'est la partie où il y a toutes les drisses qui reviennent à l'intérieur du cockpit. Et puis, voilà, bah, Tiet Kitatu, le classe 40, fait 12 mètres 20. Et donc, il va y avoir plusieurs voiles, des spies, Code Zéro, Solent, Grand Voile. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'espace de vie dans lequel je vais être pendant une petite vingtaine de jours. Donc voilà, là un élément très important c'est la table à cartes avec l'ordinateur sur lequel je vais passer beaucoup de temps pour étudier la météo et la stratégie qui va me permettre d'avancer le plus vite possible pendant cette traversée de l'Atlantique. Ici, eh bien, c'est ma cuisine, très rudimentaire. Je vais pouvoir réchauffer des petits plats, chauffer de l'eau pour mettre dans la nourriture déshydratée. Et voilà, c'est un élément fondamental parce que mine de rien, les 24 heures qu'on passe tout seul à bord, fois 15 ou 20 jours, ben, voilà, ça fait beaucoup de temps où il faut se nourrir. Et voilà. Donc, de chaque côté, vous voyez les vanettes dans lesquelles je vais ranger mon matériel. Donc en fonction de l'allure du bateau, eh bien, je vais matosser, c'est-à-dire que je vais déplacer le matériel au vent pour aplatir le bateau, pour qu'il soit le plus plat et le plus rapide possible. Ensuite, derrière vous, eh bien, vous pouvez voir les ballasts. C'est là où il y a le système avec les petites boules de couleur. Donc c'est des compartiments où on stocke de l'eau de mer qui est aspirée par un pont. Et du coup, ben, ça c'est le même principe que le matossage. Eh bien, ça permet d'alourdir la partie au vent du bateau, la partie penchée, pour aplatir le bateau et que le bateau soit le plus performant possible. Donc en tout, il y a 1500 litres, 750 litres de chaque côté. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer l'avant du bateau. Voilà. Donc là, nous sommes à l'avant du bateau. Donc sur les côtés, il y a des bannettes. Donc ce sont des lits. Mais en fait, je ne vais pas dormir à l'avant parce que c'est trop loin du poste central où il faut que je sois opérationnel donc pour voir mon ordinateur et pour du coup pouvoir sortir dans le cockpit. Donc là, à côté, vous voyez cette masse bleue, c'est un fat boy, c'est là-dedans que je vais dormir. Donc je vais dormir plutôt à l'arrière, donc quand il fera pas de beau. Et quand il fera beau, eh bien, je pourrai sortir ce fat boy pour le mettre dans le cockpit et être dispo et réactif si jamais j'ai besoin de manœuvrer, etc. Donc en fait ici, c'est là où je stocke encore du matériel. Derrière vous, eh bien, vous voyez tous les sacs, ce sont mes voiles. Et pareil, comme je l'expliquais tout à l'heure, eh bien, ces voiles, je vais les matosser en fonction de l'amure du bateau, donc de côté au vent pour aplatir le bateau. En gros, c'est ça. Voilà. Et là, vous voyez des toilettes, mais je ne vais pas m'en servir. Ici, je stocke des écoutes et des boutes qui vont me servir donc, à manœuvrer. Et voilà, en gros, c'est tout.